Bonjour à toutes et à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis sur le salon Tech & Bio, donc technologie et agriculture biologique à côté de Chartres. Et donc on va parler essentiellement désherbage mécanique. Donc là on voit il y a beaucoup d'exposants. Donc là on va parler notamment houe rotative. Alors la houe rotative, voilà à quoi ça ressemble. En fait ça va être des roues, des sortes de cuillères qui vont écrouter la surface et donc déchausser les mauvaises herbes et les soulever, les mettre sur le dessus. Après dessus on peut rajouter une RC tri, mais quand on va avancer un peu plus rapidement, ça va poser problème. Au niveau vitesse d'avancement, on est entre 6 et 7 km/h. Et donc ça va servir pour les graminées et dicotylédones. Par contre tout ce qui va être plutôt rumex, chien dent, ça va être un peu plus compliqué parce que c'est plus profond. Donc c'est un outil assez polyvalent. Et donc on va passer sur un autre outil qui est la RC tri, qui elle va pouvoir être passée beaucoup plus tôt, dès quelques jours après le semis, où est-ce qu'on va avoir les adventices qui vont germer, on va les voir en petits filaments blancs, chevelus blancs, et donc on va pouvoir en fait les gratter, passer assez tôt et les déchausser totalement. Donc en fait ça va être des peignes. Donc voilà, donc ça va être des peignes qui vont vibrer et qui vont déraciner. Donc on va pouvoir passer du stade filament jusque deux feuilles, mais une fois que les deux feuilles sont bien étalées, de l'adventice c'est fichu, il faut passer à une chose, une houe rotative ou une bineuse. Donc là en vitesse d'avancement pareil, 6-7 km/h. Bien sûr il faut, pour avoir un travail optimum, le guidage RTK. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est un petit peu courte, un peu originale, j'ai pas l'habitude d'en faire comme ça. Donc là c'est sur le biologique, mais ça peut être aussi dans le but de réduire les phytos, notamment les herbicides. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à partager. Et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne Léo Agriculture du 28. Allez, salut !